dans un désert impitoyable où règne la terreur. Vous êtes tout moche et pas fini, mais c'est pas votre faute, je vous aime bien quand même. Seul le courage de deux petits et mignons animaux... Je ne suis pas petit et on n'est pas mignons. ...va changer leur destin à jamais. Je vais partir. Et genre, tu vas aller où? Juste vivre dans l'oasis. Au secours! Non, tu plaisantes là, hein? Non seulement on peut pas y rentrer, mais on peut même pas en sortir! Lâchez-moi! Non, il plaisante pas. Oh, misère. L'oasis appartient au serpent vert, non? C'est ici que tous nos ennuis auront commencé. Alerte à pression! On va mourir! S'il te plaît, ne dis rien! Faut sortir d'ici! Ils vont me tuer! Sortir? Mais par où? Je m'appelle Eva. Moi, c'est Ajar. Ok, Ajar. Suis-moi! J'aimerais aller plus loin, découvrir ce qui se cache derrière ces rochers. À moins que tu n'aies peur de la liberté. Ah Eva! Ajar! On doit sauver Eva. Parfois, un seul d'entre eux peut survivre. On est son seul espoir. Mais tu la connais même pas! Les gars, si on parle bien de ma sœur, laissez tomber. Elle est pas intelligente, sérieusement. C'est parti! Qu'est-ce qui s'est passé? C'était plus fort que moi. T'es tellement courageux. Je suis super entraîné au kung-fu. Alors si je m'énerve, ça peut très très vite dégénérer. Vous n'auriez pas croisé comme une caravane? Une caravane de trois hommes et un enfant en direction de Souksoukville avec des dromadaires dont l'un portait deux paniers d'où pendait un joli serpent vert qui cherchait à s'échapper? Oui, c'est ça! Non, ça me dit rien du tout.